sur les canopées. Tant qu'il y aura des arbres. J'ai cru bien longtemps que réel et imaginaire pouvaient se rencontrer cela seul, en tête à tête, dans un espace privilégié que j'appelle canopée. Je savais tout de même qu'il était vain de penser pouvoir y poser le pied durablement. Pourtant, j'allais jusqu'à croire que cet espace permettait à l'imaginaire de venir en aide au réel, de lui redonner des ailes, de l'air, de l'espace. Du réel même, tant qu'il y avait des arbres. Je négligeais que réel et imaginaire ne sont jamais seuls, qu'il faut compter encore avec l'impermanence, l'inconscience. Eh bien, c'est un peu tout cela malgré tout qui ouvre le réel à des possibles renouvelables, renouvelants, tant qu'il y aura des arbres.